pourquoi tu aimes toujours faire les choses à ta manière? On dirait que mon avis ne compte pas. Bien, sache que je ne vais plus commencer à opter tes avis. Je suis ton mari, d'accord? C'est moi l'homme de la maison. Alors je te dis ce que tu dois faire, et quand je le veux, et tu le fais exactement comme je te l'ai dit. Exact. Ok. La fois dernière, tu étais censé aller chercher Britney à l'école, mais tu as donné une excuse. Viens. Pourquoi tu me laisses la responsabilité de toute la maison? Pour commencer à dire après que c'est toi le chef. Tu étais proche de l'école. Exact. Tu étais proche de l'école, alors qu'est-ce qui serait passé si tu t'avais récupéré? Serais-tu morte? Papa, maman, parle un peu de ce livre intitulé Paix de l'âme. Hein? Madame Bucci, hein? Tous tes collègues vont chercher leur enfant à l'école. Ils ne le laissent pas à leur femme. Mais toi, ton cas a toujours été différent. Tu me laisses tout faire pour dire après que c'est toi l'homme de la maison. Oh. Donc, c'en est arrivé au point où tu m'appelles maintenant par mon nom? Pourquoi pas t'appeler de tous les noms, Madame Bucci? Pourquoi je ne dois pas t'appeler de tous les noms? Hein, dis-moi. Hein? Quoi? N'est-ce pas que Madame Bucci est ton nom? Oui, je continuerai à le faire tant que tu... Ah! Jésus. Britney! Chérie! Britney! 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 Avec toi! Britney! Britney! Ma fille! Hey, chérie, qu'est-ce qui se passe? Allons à l'hôpital. Jésus. Dépêchons-nous. Hey, mon bébé, protège-toi. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Britney. Britney. Est-ce que ça bébé, protège-toi. Britney. Chérie, dépêche-toi. Seigneur, mon Dieu. Britney, est-ce que tu vas bien? Britney. Chérie, mon Dieu, que rien de mal n'arrive à ma fille, mon Dieu. Britney. Seigneur, je te prie que rien ne m'en arrive à ma fille. Madame, mon Dieu, où est-ce que vous l'amenez? Prenez soin d'elle, hein? Aux urgences. Ah, mon bébé, sois guéri, hein? Seigneur, aide ma fille à se rétablir, que rien de mal ne lui arrive. Ma fille, mon bébé, toute arme fabriquée contre ma fille n'atteindra pas son but. Au nom de Jésus, éternel, je te prie de sauver ma fille pour moi. Oh, qu'elle soit rétablie au nom de Jésus. Rien de mal n'arrivera à ma fille. La Bible dit qu'ils viendront à gauche, à droite. Ils ne l'atteindront pas. Au nom de Jésus, éternel, tu es sa protection. Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Dans quel putain est-ce que je suis mis sérieux? Ah.
Brittany, tu dois survivre à ceci. Tu dois survivre à ceci. Je sais que tu es une fille très forte. Tu dois survivre, chérie. Seigneur, je te prie de sauver ma fille. Seigneur, sauve ma fille, oh, mon unique. Je n'ai qu'elle. Je n'ai pas d'autre enfant. Sauve-la pour moi, je te prie, Seigneur. Sauve ma fille, oh. Seigneur, je te prie de la sauver. Sauve-la de la mort. Seigneur, je suis... Infirmière, s'il vous plaît. Je vous prie. Comment va-t-elle? Comment est-ce qu'elle va? Monsieur Mike, calme-toi. Calme-toi, j'y reviens. Me calmer? Mon Dieu, oh. Seigneur, viens mon aide, oh. Je te prie pardon, ne me laisse pas, Seigneur, ne me laisse pas, oh. Je n'ai pas d'autre, je n'ai que toi, mon Dieu, Seigneur, viens à notre aide, oh, mon Dieu, je te prie. Infirmière, dites-moi, comment est-ce qu'elle va? Je vous ai dit de vous calmer, calmez-vous. Hein? Hey! Me calmer. Seulement me calmer. Britney. Allez, chérie. Britney. Du calme. Britney. Son qui en est ma pluie, on l'a perdu. Ouvrez-la. Oh Dieu. Oui, docteur. Docteur, je vous en prie. Comment va-t-elle? Comment va ma fille maintenant? Je suis désolée, madame et monsieur. Votre fille a eu un grave problème. Il s'agit de l'hémorragie. Quoi? Ça veut dire quoi? Non. Je suis sûr que vous ne comprenez pas la personne dont je suis en train de parler. D'accord? Je suis en train de parler de la petite fille que vous avez emmenée à l'intérieur là, oui, tout de suite, il n'y a même pas longtemps. Brittany, ma fille? De quoi est-ce que vous parlez au juste? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu beaucoup de sang. Et on ne peut rien faire d'autre. Ah, docteur, je donne mon propre sang pour sauver ma fille. Prenez mon sang pour sauver ma fille, je vous prie. Je suis là-haut, prenez mon sang. Docteur, je vous en prie. Juste dites-le. Docteur. Asseyez-vous tout d'abord. Docteur, s'il vous plaît. Docteur. Hey! Dites-moi que c'est pas vrai. Ça n'est pas arrivé. Hey! Ça n'est pas arrivé.
On compte jusqu'à 3 et puis tu coupes les gâteaux. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anni, joyeux anni, joyeux anniversaire. Hippipi. Hurrah. Hippipi. Hurrah. Hippipi. Hurrah. J'aime beaucoup mon ange. Joyeux anniversaire, ma petite fille. Joyeux anniversaire. Allez, viens là, viens là. Merci beaucoup, viens là, viens là. Allez, va voir ta tante. Allez, maman. Joyeux anniversaire, mon petit ange. Mon bébé, pourquoi? Brittany, pourquoi? Pourquoi tu as laissé maman? Pourquoi tu es partie? Tu es partie si tôt, tu as laissé maman. Tu vois ce que tu as causé. Bravo. Célèbre. Tu peux te réjouir. Tu vois ce que nous ont causé tes justifications. Tu n'étais pas du tout concentré au volant. Brittany. Brittany ne serait pas morte. Es-tu par chance en train d'essayer de dire que j'ai délibérément tué ma propre fille? Ma fille unique, ma seule enfant? C'est bien ça. Tu sais ce que tu as fait. Et si tu as une conscience, je suis certaine que maintenant, tu dois être culpabilisée. Tu aimes toujours faire les choses comme bon te semble. Ok. Ok. Tu peux maintenant réaliser tout ce que tu veux. C'était un accident, chérie. C'était une simple erreur. Chérie, tu dois comprendre que cela n'était qu'un simple accident et... ça peut arriver à n'importe qui. Maintenant, Brittany n'est plus. Es-tu content maintenant? Es-tu content? Oh, chérie, ne pleure pas. Pourquoi? Pourquoi cela m'arrive à moi? Dieu, pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Oh, Brittany. Brittany, ma fille adorée. Je t'en prie, reviens à moi. Reviens à papa, chérie. Papa t'aime énormément. Hé, hey, mon ami, donc tu n'as pas fini avec cette voiture. Dépêche-toi, je vais partir d'ici, je suis en retard. Chérie?
Chérie, dépêche-toi, je t'en prie. Dépêche-toi, s'il te plaît. On doit partir, on est déjà en retard. Ah, je ne supporte pas tout ça. Mais où est-ce que tu es? Ah, oh. Mon ami, dépêche-toi avec ça. Ah, ok, monsieur. Je me dépêche. Chérie, où est-ce que tu vas comme ça? Je pensais qu'on irait en voiture. Je vais prendre le transport public. Transport public? Oui. Je n'entrerai pas dans ton véhicule. Je ne veux pas être ta deuxième victime. Ma femme est... Non. Donc elle est pratiquement en train de m'accuser d'avoir tué ma propre fille? Ouvre le portail. Non mais viens ouvrir ce portail! Oui, patron! Macaque! Madame Amara, pourquoi ce genre de négligence? Ta classe est restée sans professeur et tes élèves sont toujours dehors entre trop de bruit. En tout cas, c'est inacceptable. Je suis désolée, Madame Okoye. Le véhicule de mon mari a dérangé ce matin, alors j'étais obligée de prendre le transport public. Quel est ton heure d'arrivée? Tu es venue en retard d'une heure passée de quelques minutes. Et je te préviens pour la dernière fois. Ne répète plus jamais ces bêtises encore. D'accord, madame. Je ferai de mon mieux. Je ne vais plus le répéter. S'il te plaît, va dans ta classe. Et résume tes cours. J'ai appris que ta fille est morte. Ça fait pitié. Juste, tiens bon. Ah, mon cher frère. Tout s'est passé tellement très vite, trop vite. Je ne peux pas croire que Brittany ne soit plus de ce monde. Je n'arrive pas à y croire. Alors comment est-ce que l'accident est arrivé? J'étais en train d'approcher. Mais je n'allais pas si vite que ça, juste comme ça. Et puis cette voiture est arrivée et puis m'a bloqué la route. J'ai engagé les freins automatiques et voilà comment c'était. Putain! Tu dois être fort, parce que Dieu donne et il prend ce qui lui appartient au bon moment. Mais Brittany était trop jeune. Cette petite fille était trop jeune pour mourir comme ça. Et maintenant, ma femme me blâme absolument à chaque seconde de la journée que je suis responsable de la mort de ma propre fille. Pourquoi? Mais pourquoi elle fait une telle chose? Je me suis moi-même posé cette question à plusieurs reprises, mais... mais je n'ai pas de réponse à ça. Ça, ce n'est pas bien du tout. Thank you.
Ça fait, ah, c'est tombé. Tu vois, tu as perdu. Lentement. Ah, tu ne jettes pas bien. Hein. Ah ouais, maman, des zéros. Tu es tombé, tu vois, deuxième fois. Allez, doucement. Ah, vas-y, doucement, Britney. Ah, ça c'est la troisième fois que ça tombe. Hé, hey, lance les ballons. Britney, où es-tu? Ne vois-tu plus les ballons? Britney! Britney! Chérie, qu'y a-t-il? Britney. Est-ce un cauchemar? Britney! Chérie? Britney! 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 Ça va aller. Viens. Allez, viens là, ok? Britney! Allez, viens. Ça va aller, chérie. Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur, le genre de rêve que je fais ces derniers temps, ça devient insupportable. C'est quel genre de rêve? Tu dis des mauvais rêves? Oui. Je fais des rêves où je vois ma fille mourir tragiquement. Quand je me réveille en sursautant, moi je vois mon mari endormi à mes côtés. Depuis la mort de Britney, ma fille n'a jamais été tranquille. Ma sœur, es-tu sûre qu'elle est morte d'une mort naturelle? Ma sœur, je n'ai toujours pas compris les circonstances autour de sa mort. Parce que tu suspectes les progrès soudains de ton mari. Hé! Hey! Es-tu vraiment sûre qu'il n'est pas devenu occultiste et il a utilisé ta fille pour augmenter sa richesse? Sœur Goma, je crois que tu as fait un point important. Essayons de réfléchir un peu. Hey, c'est bien lui qui a causé cet accident. Madame Bidji, Malabouti, tu penses beaucoup. Hein? Tu penses vraiment beaucoup, Malabouti. Ok, je sais que c'est à cause de la mort de ta fille. Je sais, mais... Ma femme est mon problème. Nelson, ma femme est mon problème. Cette femme me fait vivre l'enfer. Elle a changé. Complètement. Absolument tout chez elle a changé. Et je ne suis pas à l'aise avec ça, du tout. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle est devenue paranoïaque. Exact. Elle est devenue paranoïaque et ça me fait sentir vraiment coupable. Ça me fait vraiment sentir comme si j'étais responsable de la mort de ma propre fille. Pourquoi devrait-ce être ainsi? Non. Amara, non. Elle ne devait pas penser comme ça. Écoute, je crois que la fille est morte d'une mort naturelle. Oui. Rappelle-toi, ce monde n'est pas pour elle. Elle est rentrée à la maison. Ah, Nelson, laisse-moi te dire la vérité. Je vais être vraiment sincère avec toi. J'en ai marre. Exact. Je me vois en train de mourir. Hmm? Je me sens en train de commettre un suicide. Malabouti. Exact. Mais pourquoi tu penses à une telle chose? Mais pourquoi tu penses à ça? Regarde, oh! Comment tu peux penser à prendre ta propre vie? Hein? Ok, j'ai un secret. J'ai un secret à t'avouer. Quel secret? J'ai un cancer. Oui. Quoi? J'ai un cancer et le docteur m'a dit que je n'ai que 10 ans pour vivre. 10 ans! Jésus! Et si tu comprends ce que ça veut dire vivre, à chaque minute tu penses seulement comment tu vas mourir. Ah! Donc tu vas très bientôt. Bon, tu vas bientôt mourir? Après 2 ans? Le docteur m'a dit que j'ai que 2 ans pour vivre. Jésus-Christ de Nazareth! Oui!
et je n'ai même pas de comité de social. Regarde-moi. Je suis là. Hein? Je suis heureux. Parce que je sais, si il arrive que je meure, je croiserai mon père au ciel. Ok, oui. Ce monde n'est pas comme on le pense. Tu ne devais pas penser à ça. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avancer dans ta vie. Concentre-toi sur la vie et prépare-toi à un avenir meilleur. Et après tout ça, nous allons quitter ce monde et aller croiser nos pères au ciel. Mais d'abord, tu dois avoir la foi et tu seras heureux chaque moment, à chaque heure. Dieu. Alors, Jerry. Jerry. Hein? Il avait donné un argument ces mêmes jours, le matin. Un argument qui ne tient pas debout. Disons qu'il n'était pas concentré au volant, sachant qu'on avait notre feu juste derrière nous. Hey. Soudainement, un véhicule est sorti je ne sais d'où. Directement, boum, hey. Elle a commencé à saigner. Britney est restée dans l'urgence jusqu'à ce qu'elle était morte. Hey. Tu vois, c'est évident que ton mari a pris notre fille. Qui sait qui sera la prochaine victime? Ça pourrait bien être toi. Que Dieu m'en épargne. Voilà la raison dont je dois agir immédiatement. Ah, si tu veux vraiment vivre longtemps. Hey, c'est tellement choquant. Je juste comme ça. Hey. Désolée, ma petite chérie. C'est à moi de te demander pardon. Je n'ai pas fait attention, hein. Ce sont tes livres? Oui, tantine. Où est-ce que tu as eu ça? Je l'ai trouvé dans la rue où l'accident s'était déroulé. Je vais te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est, madame? Est-ce que tu peux me donner ces livres? Je te les remets après une semaine. Ok. Ok, madame. Le livre vous appartient. Merci beaucoup. Je m'en vais dans ma salle de classe. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'est très gentil. Tu peux partir. Bye.
Tu sens de l'alcool. Je vois. Tu es tout content. C'est pourquoi tu te donnes à la boisson et tu t'aimes à boire avec les autres. Donc c'est maintenant un crime. Hein? C'est maintenant un crime pour moi de boire et de me rendre moi-même heureux après avoir été à l'agonie pendant très longtemps. Tu mérites de l'être. Hein? En fait, après que tu aies sacrifié ton unique fille, ton unique seule fille, tu l'as sacrifié à tes rituels occultistes. Hein? Es-tu en train de me parler de cette manière? Es-tu donc stupide? C'est toi qui es stupide et imbécile. Tueur d'enfant. Hein? Moi, stupide et inutile. Est-ce qu'un homme peut être stupide dans sa maison? Hein? Comment oses-tu? Tu ne me tueras pas. Laisse-moi. Ne t'approche pas de moi. S'il te plaît. Non, laisse-moi. S'il te plaît, ne fais pas ça, chérie. Chérie, laisse-moi partir. Chérie, je t'en prie. Ne t'approche pas. Chérie, je t'en supplie. Reste là. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Ok? Ne me fais pas ça, je t'en prie. Tu ne peux pas me laisser tout seul dans cette maison. Tu ne peux pas me laisser seul dans cette maison, chérie. Je t'en prie, tout ça sont les œuvres du diable. Ne laisse pas les diables gagner entre nous deux, je t'en prie. Que ce diable te tue. Tu ferais mieux de mourir et de suivre Britney. Au lieu de rester ici, t'enivrer à tout moment. Je t'en prie. Tu ne peux pas me quitter, tu es tout ce qui me reste maintenant. Je t'en prie, ne me quitte pas. Je t'en prie. Madame Bouché, ta bague est là. Tu peux le reprendre, je ne veux pas rester ici, mourir à cause de toi. Non. Chérie. Stupide Marie, ose t'approcher de moi, tu verras. J'ai entendu beaucoup de choses à propos de toi. Et j'étais en train de t'observer. Tu es toujours absente, madame. Même dans ta classe. Je comprends le fait que tu viens de perdre ta seule fille. Je suis une mère aussi. Je sais comment ça fait mal. Mais tu dois tout laisser tomber et continuer avec ta vie. Je sais pourquoi j'ai décidé de te dire tout ça avec la politesse. Parce que j'avais eu ces informations à propos de cela. J'ai pas d'autres options, juste t'encourager. Mais c'est l'affaire de ton travail. Et je suis sûre que tu ne veux pas perdre ton travail. Je suis désolée, madame. Je ne le répéterai plus. J'ai déjà tourné la page de ma vie. Vraiment? Oui. Merci de vous préoccuper pour moi. J'apprécie. Merci. Ok, rejoins ta classe. Merci, madame. Oh Dieu, s'il te plaît, que cette coupe passe loin de moi. Je sais que ce monde ne m'appartient pas. Sachant que je mourrai dans peu de jours, j'ai juste envie d'avancer avec ma vie et d'oublier toute chose. Mais j'ai tellement mal dans mon cœur parce que je ne suis qu'un humain. Je ne suis qu'un humain. S'il te plaît, Dieu.
Si c'est ton souhait, attends que ça arrive. Si tu pouvais seulement changer, tu peux changer les choses. Ce n'est pas encore trop tard. J'ai tellement mal au cœur. Oh Dieu. Mon cher, mais qu'est-ce que tu fais sous le canapé? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ça fait des heures que tu n'ouvres pas ton bureau. J'ai essayé de t'appeler, mais tous tes téléphones sont éteints. C'est quoi le problème? Nelson, ma fille n'est plus de ce monde. Ma fille n'est plus de ce monde, Nelson. Ma femme, elle vient de me quitter. Es-tu sérieux? Oui, je suis tout seul. Je suis tout seul dans cette maison. Complètement seul et abandonné à mon propre sort. Pourquoi elle est partie? Hier, nous nous sommes un peu chamaillés. Exact. On s'est discuté ce jour-là. J'étais ivre ce jour-là, alors. J'avais perdu le contrôle et j'avais commencé à... J'avais pas le contrôle de moi-même. Je l'ai frappé. Exact. Je l'ai frappé et... Les jours suivants, elle a rassemblé ses affaires et est partie. Tous mes efforts pour l'empêcher de faire ça ne servaient à rien. As-tu essayé d'appeler quelqu'un de sa famille? Genre sa sœur ou quelqu'un qui est tout proche d'elle? J'ai essayé d'appeler sa tante, mais elle n'arrête pas de rejeter mes appels. Et... Nelson, est-ce que tu as vu tout ça? Je veux simplement me tuer, c'est tout ce que je mérite. Non, tu dois parler à ta famille. Même à ton oncle. Et dis-lui la situation qui se passe ici. Appelle-le. Au cas où quelque chose lui arriverait, personne ne sera responsable. Exact. Tu as raison. J'appellerai mon oncle. C'est pour cela que tu bois. Mais tu veux finir cette bouteille? Oh Dieu! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de cette vie. Non, tu dois arrêter. J'ai tué ma propre fille. Ma femme m'a quitté. Tu n'as pas abandonné. J'ai seulement envie de me tuer, Nelson. Non, mon cher, tu dois te calmer. Calme-toi. Sois un homme. Hein? Hey, Angela en politique. Ma chère, merci beaucoup pour la nourriture. C'était très délicieuse. Je t'en prie, ma sœur. Tout ce que je veux pour toi est que tu sois heureuse. Oublie la douleur et concentre-toi sur cette nouvelle vie. Tu es encore si jeune et je sais que tu auras quelqu'un qui prendra soin de toi. Ça, ce n'est pas la fin du monde pour toi. Tu es très jolie et adorable et tu dois prendre soin de cela. Grande sœur, merci beaucoup. Mais je crois qu'il n'est pas encore temps pour moi de voir les hommes. Bien, enfin, je vais y penser. C'est bon. Amy, je te donnerai beaucoup de temps pour parler à propos de ça. Mais ce n'est pas trop tard pour toi. Je suis à l'intérieur. Ok, ma très belle sœur. Accepte seulement, laisse-moi prendre un riche. Chercher un bon homme pour toi. Ou prendre soin de toi. Hey!
Où est-ce que tu es? Viens me toucher. Ok, je peux pas t'attraper, hein. Voyons, voyons voir qui est le meilleur. Ok. Papa, viens me toucher. Chérie, où es-tu? Babe, je vais t'avoir, t'en fais pas. Britney, je suis fatigué, je t'en prie. Tu ne peux pas me stresser autant quand même, hein? Tu ne peux pas me toucher. Où est-ce que t'es? Ouais. Je t'ai dit de te cacher. Enfin, je t'ai attrapé. Toi, tu m'as complètement fait tourner sans t'arrêter, hein. Je t'avais dit, je suis un professionnel en cache-cache. Le massage. C'est vrai. Dis-moi, combien de minutes? C'était juste c'est une minute. C'est du massage, 5 minutes. 5 minutes? Oui. 5. Oui. Là maintenant, 5 minutes. Oui. Waouh. Ça y est, tu l'as fait. Je t'aurai quand ça sera ton tour. Attends. Vous mentez. Je te jure, tu ne m'attraperas pas. Et toi, 30 minutes. Tu sais que je suis forte en jeu de cache-cache. Ça ne prendra même pas plus de 30 secondes. Ah. Tu n'es pas du tout sérieux. Allez, allons à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Okay. Allons-y. Joy, good hope, I need peace of mind, July. I want joy, good hope, need peace of mind, yeah. Peace of mind. If I not get peace of mind, peace of mind. Now what did I get? Yeah. Peace of mind. Now what did I get? Nah, yeah. Peace of mind. If I not get them, if I not get them. Peace. Madame Bouti, mon fils, tu as dit que ta femme a quitté ta maison et tu ne m'as même pas dit, moi, ton oncle. Ça, c'est un problème. Ta femme a choisi le mauvais côté. Ça fait quelques semaines maintenant que je suis absolument tout seul à la maison. Absolument seul. Et ce n'est pas du tout amusant. Pas du tout. Ce qu'elle a fait, elle a totalement tort.
peu importe, je ne suis pas surpris parce que les femmes dans ces villages, elles sont toutes pareilles. Elles ne veulent pas rester longtemps chez leur mari. Ugoma, ta grande sœur, c'est la preuve vivante de tout ce que je te raconte. Cher oncle, j'ai fait tout ce chemin vers ce village pour que tu me dises quoi faire. Je ne sais pas, quel est le prochain pas à prendre? Je veux le savoir. Le cas est tellement compliqué. Bienvenue. Merci. Ah d'accord, merci. Ah. Le choix n'appartient qu'à la personne elle-même. Si elle décide de partir, laisse-les partir. Mais si elle veut encore retourner, ne la laisse pas faire. Mon conseil est que épouse une autre femme. Oui, un grand homme comme toi ne veut pas rester seul dans sa maison. Trouve une autre femme. Bien, oncle, je suggère que pour l'instant, j'aimerais bien que Mecca vienne avec moi là-bas en ville. Au moins, il sera une très bonne compagnie. Pour l'instant. Et Mecca, c'est la seule personne qui m'aide au champ. Et si tu l'amènes en ville, je serai béni. Ok. Et alors, Tissom? Elle peut venir avec moi et... Elle pourrait même finir son éducation là-bas. Tu sais, depuis que leur mère est morte, Emeka et Chisom ont été la seule source de joie et de bonheur pour moi. Ce n'est pas grave. Si vous le dites, il n'y a aucun problème, monsieur. Ok, je suis content. Laisse-moi t'apporter quelque chose. Merci, à boire. Merci, oncle. Merci. Amara, lui, c'est Frank. C'est un bon ami à moi. Il est vraiment riche et influencé. Je sais qu'il prendra très bien soin de toi. Amara, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Heureux de te rencontrer. Le plaisir est partagé. Ouais. Je crois que tu peux nous... Ne te dérange pas. Tu vois, tout sera mieux. Voilà. Je pense que je dois vous laisser prendre un peu du temps. Ouais. Amara, je suis là. Amara, s'il te plaît, viens proche de moi, s'il te plaît. Viens sur cette chaise. Waouh! Tu es vraiment très belle. Adorable. Je pense que tout ce que ta sœur m'a dit sur toi est bien vrai. C'est d'ailleurs plus que ce que je pensais. Merci beaucoup. Ouais. J'apprécie. Ouais. Je pense que ta sœur t'a parlé de mes intentions. N'est-ce pas? Quelle intention? Bien. Je t'aime infiniment. Et j'aimerais t'épouser. Désolée, hein, si je peux demander. Es-tu mariée? Eh bien, mariée, mais ma femme n'est jamais là. Je dois toucher un peu ailleurs. Donc j'ai quand même besoin de quelqu'un qui me rende heureux et qui m'aime aussi. Pour être franche, je crois que tu n'es pas la bonne personne pour moi. Au fait, je suis une femme mariée. Nous avons des petits soucis, juste moi et mon mari. Au fait, je ne souhaite pas être une deuxième femme. Non. Je préfère être telle que je suis. Bien, Amara, j'ai de l'argent. J'ai tout ce qu'il faut pour te rendre heureuse. J'ai absolument tout pour changer ta vie. Accepte-moi et on va passer des bons moments. Tu es Franck. Accepte la proposition. Excuse-moi. Ah, Amara, j'ai de l'argent. Je peux absolument tout te donner. Aïe! J'ai tout, l'argent. Fais-moi confiance. N'importe quoi.
Amara, je t'ai regardé de loin. Quel est vraiment ton problème? Hein? L'homme est gentil et si bien. Et c'est un riche et influencé. C'est un homme que je connais. Qui peut bien prendre soin de toi. Sœur Goma, je suis désolée. Au fait, je ne me suis pas du tout à l'aise avec cet homme. Mon cœur battait très fort quand j'étais avec lui. Ma conscience non plus ne m'a pas laissée tranquille jusqu'à ce que je me suis levée. Amara, c'est le problème que j'ai toujours eu avec toi. Prends une décision et choisis Franck. Hein? Il est la meilleure chose qui ne te serait jamais arrivée pour le moment. Grande sœur, s'il te plaît, j'ai besoin d'avoir un peu de temps pour me passer de mes situations. Les souvenirs de mon passé sont encore vifs dans ma tête. Tu as toujours besoin du temps? Tu parles du temps? Le temps n'attend jamais quelqu'un. Amara, va réfléchir et prends une décision maintenant. Tu imagines ce que tu fais? Hey, patron. Ouais, bébé. Ouais, sois la bienvenue dans mon humble demeure. Ta maison est belle. Bienvenue, monsieur. Vas-tu dégager de là? Macaque. Mon bébé. Et voici mon humble demeure. Voici ma petite appartement. Alors, tu es la bienvenue, c'est maintenant ta maison, et tu peux venir ici n'importe quand tu le souhaites. D'accord? Raison pour laquelle je t'aime. Et je t'aime moi aussi.
Bébé. Bébé. Es-tu dans la salle de bain? Bébé. Cette fille a volé mon argent. Joey a volé mon argent. Hey! Donc cette fille est une voleuse. Jésus-Christ de Nazareth. Britney! 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 Angèle! Mon bébé! Britney! Britney! Oh, mon ange! Tu es toujours vivante. Je me suis mise à te chercher partout. J'aimerais bien rester avec toi, maman. Ok, mon ange. Viens, pars avec maman. Non, maman. Maman, pourquoi tu as quitté papa? Pourquoi tu as quitté la maison? Ton père commence à me frustrer. Alors je n'ai pas eu d'autre choix que celui de partir. Maman, je peux te demander quelque chose. Je ferai tout pour toi, mon ange. Je veux que tu retournes chez papa. Je veux que tu arranges avec lui. Ce n'est pas lui qui m'avait tué. Il ne faut plus le blâmer. C'était une mort naturelle. D'accord, ma chérie. Je ferai ce que tu m'as dit. Et j'aimerais aussi que tu partes voir le pasteur pour la prière d'ensemble. Dieu a quelque chose à faire avec notre famille et souvenez-vous que je vous aime beaucoup. Je t'aime aussi, mon ange. Britney! 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 Allô? Oui, je vais bien. Et toi?
Why will I be happy when I don't have peace of mind? Why? How can I cheer up whereas I don't have peace of mind? Yeah, chima. Chérie, chérie. Oh. Mon Dieu. Viens là. Tu m'as manqué, chérie. Tu m'as manqué aussi. Ah, j'arrive pas à y croire. Je vais te dire un truc. Britney m'a visité la nuit. Dans mon rêve, elle m'a demandé de revenir. Elle m'a dit que tu n'es pas la cause de sa mort et qu'elle est morte d'une mort naturelle. Elle a dit que nous devons aller voir le pasteur pour des temps de prière et de jeûne. Et qu'il y a quelque chose qui est devant nous pour laquelle nous devons prier. Bonne arrivée. Je dois finir cette vie une fois pour toutes. La vie est tellement cruelle. Elle est trop méchante. Très, très dure. Je dois mettre fin à tout ça. Je dois arrêter. Au nom de Jésus, chasse l'esprit, quitte ton corps et allez dans les Nazareth. Merci madame, tout va s'arranger. Merci pasteur. Pasteur, bonjour. Bonjour. Bonjour pasteur. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Merci, merci assoyez-nous, pasteur. Assoyez-nous. Oui, prions. Dans le nom de Jésus. Amen. Le nom puissant de Jésus. Amen. Eh bien, nous venons. Eh bien, nous venons. Oh, Dieu, nous venons. Oh, tout le monde, nous venons. Nous venons. Tes désirs sont mes ordres. Prends ceci. Enterre ça dans la maison de ton frère. Ton frère, Opamanabuchi, mourra. Et tu t'empareras de ses propriétés. Ha ha ha! Ha ha ha! Oh, moi, pour 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 moi,
Voilà à toi, Bobo. Je vais profiter de cette opportunité pour remercier chacun d'entre nous parce que nous avons quand même réussi à pouvoir enterrer mon père. Je vais vous dire merci beaucoup. Et oncle Ijofo, je ne manquerai pas à vous remercier de façon spéciale pour toutes vos contributions et pour vos efforts. Vous étiez là, vos conseils, tout ce que vous avez fait au fait. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes mon beau-père maintenant. C'est très bien, mon fils. Tu n'as qu'à être l'homme que tu veux devenir. Merci infiniment. Demain, très tôt matin, je voyagerai en ville avec ma famille. Ok. Mais ne vous en faites pas. Je viendrai vous rendre visite de temps en temps. Afin que nous ne puissions pas trop vous manquer. Tu sais que tu es le seul fils de ton père. Nous devons s'unir plus que jamais. Alors, je vais te montrer là où on a une portion de terre qui appartient à ton père. Une portion de ton père, une portion de toi. Merci infiniment. En tant que seul fils, tu dois être fort. Ok, merci beaucoup, oncle. Il n'y a pas de problème. Pardon, chérie. Allez, viens. Tiens, c'est pour toi. Merci, mon frère. Très bien. Et ça, c'est pour toi. Champion, prends ceci. Ah, merci. Merci. Choco Gosier. Très bien, on doit rentrer à la maison maintenant pour nous préparer pour... Demain. Demain, oh oui, bien sûr, pour demain. C'est d'accord, c'est d'accord. Alors prenez bien soin de vous, d'accord? Ok, laisse-moi vous accompagner. Très bien, merci beaucoup, oncle. On doit merci partir. Beaucoup. Au revoir. Ah, il n'y a pas de quoi, champion. Allez, viens là, toi. Yabouké, Emeka. Papa, bienvenue. Viens ici. Où est ta sœur, Tissobo? Tissom est souvent dans la cuisine, en train de préparer quelque chose. Tissom. Papa. Viens ici. Papa, y a-t-il un problème? Est-ce que ça me concerne? Papa. Où est l'argent qu'on vous a donné? Papa, j'ai encore le mien. Donne-le-moi. C'est aujourd'hui que j'ai compris que vous êtes malade. Vous n'avez aucun sens du tout. Ne savez-vous pas que sa mère est une sorcière? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, il est sorcier. Ne savez-vous pas que sa mère utilise l'argent pour prendre votre destinée? Papa, arrête de dire ça. Ferme ta bouche. La prochaine fois. Si il vous donne l'argent, refusez. Ne prenez plus son argent. Papa,
Mon frère Abouti n'a pas l'air d'un ritualiste. Ferme ta bouche, ta jeune fille. Quand je parle, tu la fermes. Qu'est-ce que tu connais à propos de l'argent et des rituels? Écoutez-moi, je suis votre père. Si vous voulez vivre longtemps, évitez Magabou. Ne faisait rien du tout avec lui. Suis-je clair? Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, papa, oui, papa, oui. Continuez vos occupations. Hé, hey, Tizom, papa est si méchant. Vraiment méchant. Tu le réalises maintenant? Que veux-tu que je fasse d'autre? Quoi d'autre? Laisse-moi partir. Pardon. Otangorongo. Maintenant que mon frère est mort, je veux que tu détruises le mariage de son fils pour toujours. Donne-leur la querelle et l'incompréhension. Fais de sa vie misérable. Alors, ils n'auront rien à faire. Il fait pas mal, regarde. Ni même moi, pendant deux mois, regarde. Tu accordes. Agui. Oui, le chola yozo, aïe boubia. Oui, le chola yozo, aïe boubia. Non, on t'a blabou, tu veux maintenant, il veut maintenant, mais. Oh, quand il y a un abonné au cours, je le cours, c'est vous. Il y a un cours, c'est nous. Malabouti, j'ordonne à ton mariage de se détruire. Je t'ordonne de haïr ta femme. La destruction tombera dans ton foyer dès maintenant. C'est maintenant fait. Otangorongo. Omu. Ota pia pia. Je te fais confiance. Tu sais que je ne puis te décevoir. J'ai confiance en toi. Tu n'as pas à t'en faire parce que c'est déjà fait. Ne t'en fais surtout pas. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Malabouti, pourquoi plaires-tu? Le Seigneur a une révélation pour toi. Une très grande révélation. Ta fille est comme un ange gardien pour toi. On l'a envoyé chez toi pour ta bonté, pour ta générosité.
Hein, grand frère, j'aimerais aller là-bas en ville avec toi. Oh. Oublie ce que papa avait dit. La vie dans ce village est vraiment très dure. Je ne peux pas continuer de rester dans ce village. Madame Bouchi, mon fils, bois cette bouteille. Hein? C'est très bon en tout cas. Cette boisson est très bonne. Elle est comme un ange pour toi. Si ce n'est pas elle, tu serais déjà mort. Dieu est vivant. Nous remercions Jésus-Christ. La méchanceté de Bond devienne leur méchanceté. Qu'ils reçoivent à jamais les choses mauvaises dans leur cœur, que les esprits mauvais les possèdent, qu'ils échouent dans tout ce qu'ils entreprennent par les esprits mauvais. Madame Bouchi, aujourd'hui, brise-le encore plus. Oh, y'a qu'on aime. Ha, 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 ha. Où ma pose à fond. Ha! Et voilà, toi, faux boulouzo. Ha 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 ha! Où est-ce que tu as la carte? Hé! Aide-moi! Emeka! Emeka! Tine! Aide-moi! Votre fille vous a sauvé de l'accident. Ni d'aider elle, vous seriez déjà mort. Vous tous. Et les gens auraient pensé que c'était un accident. Parce que si tu as mal dans le cœur, tu meurs à petit feu.
Parce que la mort n'est pas du tout une bonne chose. Alors, vous devez vivre la vie de Christ. Mettre Christ dans tout ce que vous faites. Vous ne devez pas avoir peur. La Bible dit, il ne nous a pas donné l'esprit d'avoir peur. Il nous a donné l'esprit d'amour, de puissance et de la grâce de Dieu. Mes chers amis, nous devons prier. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. Prions. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Père, je suis venu auprès de toi. J'enlève la peur dans leurs esprits. Laisse-les vivre la vie en paix, Seigneur Tout-Puissant. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Aide-moi. 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 Oh. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, c'est quoi le problème, papa? Papa, c'est quoi le problème? Qu'est-ce papa, dis quelque chose, papa. Papa, qu'est-ce papa, fait dis-moi quelque chose, papa. Papa, dis-nous. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, parle-nous. Papa, parle-nous. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, il meurt, transportons-le à l'hôpital. Et on ramène-le à l'hôpital. Viens, oui. Et oh, papa, sois fort, oui. Papa, ne meurs pas. Psaume 92. Oui. D'accord, lisons. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut. D'annoncer le matin ta bonté. Oh mon Dieu! Et ta fidélité est pendant. Ça, c'est incroyable! Nelson! Oh mon cher, vous êtes tellement merveilleux. Oh, merci beaucoup. Je suis content pour vous. C'est une très longue histoire. Et c'est très merveilleux pour nous deux. Voilà. Vraiment. Sois le bienvenu. Oui. Nelson, avant que je n'oublie, il faut que je te dise merci infiniment pour ton soutien. Tu es vraiment un vrai ami. J'aimerais te remercier pour tes conseils durant toute cette tempête. Mais bien sûr, maintenant, la tempête est passée. Dieu nous a témoigné sa fidélité. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Mon frère, sois le bienvenu. Mm. Donc, comment est-ce que tu vas? Je t'ai dit que je vais très bien. En tout cas, tout va bien. En tout temps. Ça, c'est bien. Chérie, s'il te plaît, peux-tu lui trouver quelque chose à boire? Oh, Nelson, qu'est-ce que je t'offre? Non, juste de l'eau. De l'eau? Oui, de l'eau. Bien, okay, vas-y, chérie. Ok, c'est bon, j'arrive. Très bien, très bien. Ah, sois le bienvenu, mon frère. Oh. Sois le bienvenu. Quoi de neuf? Qu'en est-il de ta santé? Mon frère. À ce moment où je te parle, je suis en train de compter. Une année et 9 mois me restent. Je crois que je vais aller rejoindre mon père. Une année et 9 mois? De l'eau, Ouais, l'eau est là. Oui. Merci, merci chérie. Waouh, je suis tellement heureux pour vous deux. Merci. Vous savez, pouvoir et sourire. Vraiment. Je suis tellement heureux. Oh, la grâce de Dieu est bon, mon cher. Dieu est bon. Merci. Votre père, sa maladie est tellement critique. Avec l'expérience que j'ai, c'est vraiment trop difficile que votre père soit en vie. Mais je crois, il a vraiment besoin d'un traitement à l'étranger. Si vous ne le faites pas, il y a 1000 chances de le perdre. Non, papa ne peut pas mourir. Docteur, s'il te plaît, fais quelque chose. Docteur, s'il vous plaît. S'il y a une autre solution, je vous prie, dites-nous. Pourra-t-il à nouveau devenir normal, je vous prie? Bien sûr, il sera rétabli. Seulement si les choses se déroulent bien. Hein? Tout ce qu'il veut maintenant, c'est les surveiller. Il faut le mettre sous surveillance. Et puis que le traitement commence, tu dois donner une somme de 200 000 naira. Docteur, 200 000 naira, c'est vraiment de trop. Où pensez-vous qu'on puisse avoir une telle somme d'argent? Je vous prie, faites quelque chose.
Aide-nous, docteur, s'il vous plaît, aide-nous. S'il vous plaît, on n'a pas quelque chose à faire. On ne sait même pas où prendre l'argent. Docteur, aide-nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, aide-nous, docteur. Les enfants, je comprends comment vous vous sentez et je comprends la situation. Je veux aussi que vous me compreniez. Cet hôpital ne m'appartient même pas. Et mon salaire ne peut pas vous assister. Ce n'est pas assez suffisant. Ayez pitié de nous. On est fini. S'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît, vous pourrez libérer l'endroit parce que j'ai d'autres personnes à recevoir. Vous voulez qu'on parte? Je vous ai dit de me libérer l'endroit. Ah, pourquoi vous n'écoutez pas? Vous voulez qu'on parte? Partez. Je vous en prie, s'il vous plaît, partez. Je n'ai rien à faire. Docteur, je vous prie. Docteur, s'il vous plaît. On est foutu. Docteur. C'est bon, hein, tout ira mieux. C'est bon. Docteur. Mon père. Chisom, hein? Je suis en train de réfléchir sur comment avoir l'argent pour emmener papa à l'hôpital. Parce que s'il continue de vivre avec nous ici, papa va définitivement mourir. Que Dieu nous en épargne. Il ne mourra pas. Essayons d'abord de contacter grand frère. Peut-être qu'il pouvait nous aider avec un peu d'argent. Es-tu normal? Tu te rappelles que papa nous avait prévenu de ne pas appeler grand frère Madabouti pour une quelconque raison. Hein? Chisom, si papa entend que nous avons fait une telle chose, il pourrait mourir d'une crise cardiaque dans cette condition. Alors, que veux-tu qu'on fasse? Donne-lui une solution. Papa ne peut pas mourir, oh. Que Dieu nous en épargne. Cela me revient. Connais-tu Mazio Dogu? Le père de Wambe, celui qui est vraiment riche. Oui, je m'en souviens de lui. La personne qui était venue voir papa. Exactement. Je sais qu'il a toujours été un très bon ami à papa. Il vient juste de revenir de l'Amérique. Hein? Allons le voir. Faisons-lui part de la condition de papa. Je crois bien qu'il pourrait nous aider. Il fera quelque chose. Ok, alors, allons-y. Allons-y. Obodo, je t'en prie, l'état de mon père est vraiment critique. Il est presque mort. Les docteurs ont demandé 200 000 naira avant qu'il ne commence le traitement sur lui. Ma soeur et moi sommes allés dans la maison de Mazio Doku. Mais il a refusé de nous donner de l'argent, même ne serait-ce qu'un petit rien. Il a refusé de nous donner. Maintenant, tu es le seul espoir qui me reste. Je t'en prie, aide-moi. N'importe quel montant pourra aider. Je t'en prie, aide-moi. Emeka, j'ai entendu ce que tu as dit. D'ailleurs, la vérité c'est que tu es un très bon ami à moi. Mais avec la situation du pays maintenant, hein, les choses sont vraiment dures. Les choses sont vraiment très dures. Et pour que quelqu'un te donne une telle somme d'argent, tu dois lui apporter une garantie. Tu dois avoir une garantie. Parce que les choses sont vraiment dures. L'argent ne tombe pas des arbres. Hein? Tu dois avoir une garantie. Même si ça sera la terre de ton père, ça doit être une garantie. Ça peut toujours servir pour être sûr. Si tu peux me donner la terre de ton père pendant ce temps, je verrai comment je vais te donner de l'argent. Hein? Ça concerne l'argent là. Mais au bout d'eau, on est de très bons amis. Tu sais que je ne peux faire ça. Je ne possède aucune... Emeka, je suis fatigué maintenant. J'ai passé presque plus de 24 heures sur la route. Hein? Je vais là-bas au nord. Presque 3 fois la semaine. Je sais combien d'heures je dépense sur la route. Tu ne t'attends quand même pas à ce que je vienne avec tout mon argent et que je te donne comme ça? Non, ça ne marche pas de cette manière. Obodo, souviens-toi que ceci est une histoire de vie ou de mort. Je t'en prie, aide-moi. Écoute, laisse-moi te dire. Sache que le fait qu'on soit amis n'intervient pas quand il s'agit d'argent. L'argent, c'est l'argent. L'amitié est une autre chose, tu dois savoir ça. Tu sais combien est-ce que je souffre chaque jour? Écoute-moi bien, l'argent n'est pas une manne. Ça ne tombe jamais du ciel. Hein? Je sais combien est-ce que je souffre pour gagner. Emmène les papiers de la terre. Comme ça, je pourrais te donner l'argent. L'argent est ici. Hein? Tu ne t'attends pas à ce que je te donne l'argent juste comme ça. Non, ça ne marche pas de cette façon-là. Non. Obodo, c'est bien moi.
Je sais bien que c'est toi. Si c'est vraiment une affaire de vie ou de mort, va juste me prendre les papiers. Emmène-moi les papiers de la terre. Ça peut servir de garantie. Une bonne garantie à ce que je sache. Hein? Les gens souffrent chaque jour pour pouvoir gagner de l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. Les choses sont dures. Emeka, Amy, écoutez, je t'en prie. Chérie, je crois que nous devons aller voir ton oncle. Rappelle-toi, étant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Mon cœur, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas. Je ne mettrai plus jamais mon pied dans ce village à nouveau. Pas après ce qu'ils m'ont fait à moi et à ma famille. Non! Bébé, la haine est humaine. Et le pardon est divin. Nous devons aller les voir, les gagner par la parole, pour le ramener à Christ. Il ne peut pas rester dans le fétiche toute sa vie. Il a besoin de Christ, oui. Quand une âme s'est convertie à Christ et abandonne le péché, il y a fête au ciel. Ne jamais retourner le mal en mal. Au contraire, il faut retourner le mal en bien. Hein? Promets-moi qu'on rendra visite à ton oncle. Allons-y. Tu n'as pas réagi à ma préoccupation. Viens entrer dans la voiture, s'il te plaît. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais pourquoi il est allongé au sol? Emeka? Tissom? Qu'est-il arrivé à mon oncle? Et pourquoi est-il dans cet état? Grand frère, papa ne va pas bien. Et d'après la docteure, elle a dit certaines parties de son corps ont été paralysées. Jésus-Christ! Paralysé? Exact. Dieu, quand est-ce que cela est arrivé? 7 jours passés, mon frère. 7 jours, sérieux? Chérie, as-tu entendu ça? Heureusement que nous... Il y a 7 jours, sérieux? Et aucun de vous, des grands comme vous, n'a pu prendre son phone et m'appeler? Mon frère, le docteur a dit qu'on doit déposer des saminéras avant qu'il commence le traitement avec lui. Oh! On n'a pas voulu dire à tout le monde parce que là, j'étais tellement non, beaucoup. Mais tu imagines? C'est quelle façon de réfléchir? Non, mais tu imagines? Parce que vous pensez que l'argent est de trop. Et c'est pourquoi... Oh, bien! Puisque vous pensez que je ne puis rien faire à propos de ceci. Bien! Je m'en vais maintenant, chérie. Non, chérie, non, s'il te plaît. Et calme-toi. Tu dois être un bon chrétien. Si tu regardes à la croix... Tu trouveras une raison de le faire. Hein? Calme-toi, chérie. Grand frère, je t'en prie, on t'a assez offensé comme ça. Mais s'il te plaît, pardonne-nous. Emmène notre père à l'hôpital, s'il te plaît. Nous sommes désolés, mon frère. Ah. Oncle. Oui, la facture a déjà été payée. Mais avec le traitement qu'on va lui donner, je suis sûre qu'il sera convalescent. Je vous assure de cela. Docteur, s'il vous plaît, je vous prie de faire tout ce que vous pouvez pour qu'elle soit rétablie. L'argent n'est pas un problème. Du tout. L'argent n'est pas un problème. Je vous prie, faites de votre mieux, s'il vous plaît. Pas de problème. Aucun problème. On est là pour vous. Peu importe, on est là. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'on peut aller le voir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je suis désolé. Les choses que j'ai faites.
pour vous et votre famille. Je veux tuer votre père. Papa! Toi! Dis-moi, je l'ai tué. Je l'ai fait parce que je voulais la propriété. J'ai créé beaucoup de problèmes en vous. Mais vous êtes toujours gentil avec moi. Je crée dans vos cœurs toutes ces incompréhensions. Tout ça, c'est à cause de moi. J'ai fait de mauvaises choses. Pardonnez-moi. J'ai besoin de la paix. Pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis désolé. Je vous avais déjà pardonné. Sinon, je ne serais pas ici. Je vous pardonne. Il n'y a pas de problème, oncle. Nous vous avons déjà pardonné. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est venu te libérer. Si tu ouvres ton cœur et l'acceptes. Dantine, grand frère, merci infiniment d'avoir pardonné à mon père. Je vous remercie énormément. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, appelle le docteur. Papa, s'il te plaît. Papa, lève-toi, s'il te plaît. Papa, lève-toi, s'il te plaît, papa. Papa, s'il te plaît, lève-toi, je t'en supplie. Papa, je t'en prie. Papa, je t'en supplie. Tantino. Depuis que l'enterrement est terminé, ma femme et moi avions réfléchi. Nous sommes concertés pour savoir quoi faire avec vous deux. Et après plusieurs décisions, nous sommes arrivés à la conclusion que nous vous prendrons tous les deux en ville. Exact. Nous vous emmènerons en ville. Tu dois retourner à l'école pour finir ton éducation. Pendant que nous commencerons un business avec lui. Hey, grand frère, merci infiniment. C'est très gentil venant de toi. Grande sœur Amara, merci aussi. De rien. Mon frère, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour moi. Ouais. Merci. Merci Amen. Beaucoup. Mais ça, c'est à une condition. Et la condition, c'est que tous les deux devaient être très calmes, gentils, servant Dieu, éviter le trouble, obéissant. Mais le plus important surtout, vous devez donner vos vies à Christ. Grand frère, si ce que tu viens de dire maintenant, c'est la condition, je te promets qu'il n'y aura aucun problème du tout. Grand frère, que vais-je gagner si je ne sers pas le Dieu vivant? Que vais-je gagner? Ça, c'est bien. Oh yao, mon frère, juste ça. En tout cas, moi, je suis prête pour toute chose. Oh. Ok. Donc, on a un marché, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Ok, d'accord. Préparez-vous. Vous venez avec nous. Merci, grand frère. On se voit bientôt. Oui, d'accord, grand frère. Au revoir. On se voit bientôt. Hein. Cité, nous Bye. Voici. Eh oh, on part à la cité. Oh. Imagine. Bah, imagine. Arrête la avec cité. Ça. Oh, mon Dieu. Ah, laisse-moi. Hey, dégage-la. Hey. Oh, la cité. Moi. Hey, finalement, je vais aller là-bas en ville. Voyez-moi, voyez la ville. Hey.
Oh Dieu, j'ai accompli ma mission. Prends-moi maintenant. Chérie, s'il te plaît, j'arrive. Chérie, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qui est-il? J'ai mal au dos. Amène-moi à l'hôpital. À l'hôpital? Ok. Allons-y. Vas-y doucement. J'ai mal au dos. T'en fais pas, je suis là, viens là. Allez, viens, allons à l'hôpital. Allez, doucement. Bébé, vas-y doucement, ok? Tu iras mieux, bébé, ok? T'en fais pas, on y est presque, bébé. Doucement, chérie. Doucement, chérie. Où ça? Où ça? J'ai très mal au dos. Désolé, chérie. Aïe, aïe, aïe. Hey, t'en fais pas, tu iras mieux, ok? J'ai très mal. Docteur, je vous en prie, comment va ma femme? Félicitations, monsieur. Votre femme vient de mettre au monde. Un bébé garçon et un bébé... Waouh! Et les bébés sont très, très en forme. Êtes-vous sérieuse, docteur? Oh! Merci, Jésus! Hey, merci, Jésus. Tu es toujours fidèle. Merci infiniment, docteur. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Hey! Merci, mon Dieu. Merci beaucoup. Je sais que tu ne pouvais pas m'abandonner. Hey, mon Dieu! Ah! Nelson! Mon cher, tu es là. Nelson. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir mon docteur. Il a un médicament parfait. Le cancer est parti. C'est pas vrai. Mon cher, ça disparaît. Ce n'est pas vrai. Je n'ai plus de cancer. T'es sérieux, mon frère? Non, c'est pas vrai. Viens là. Comme tu me vois, wow. Je suis menacé d'énorme. C'est une double célébration. Qu'est-ce que tu fais ici? Au moment où nous parlons, ma femme vient juste d'accoucher. Hein? Et ce sont des jumeaux. Un garçon et une fille. Sérieusement? Ouais, mon cher. Double célébration. Dieu n'arrête pas de nous bénir, mon cher. L'éternel est vraiment célébrer bon. Ça. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. I want joy, good hope, I need peace of mind, you know. Of mine, yeah. Peace of mine. If I not get
peace of mind. Peace, peace of mind. Now what did I get? Peace, peace of mind. Now what did I get? Peace, peace of mind. If I don't get it, if I don't get it. Peace, peace of mind. Peace of mind. Peace, peace of mind. Why will I be happy when I don't have peace of mind? Why? How can I share